Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes. Aujourd'hui, je reviens pour un nouveau tuto. Je vais vous apprendre à faire un sac filet. C'est les sacs à provisions, tout ça. Alors, il peut se décliner en plusieurs façons, plusieurs sacs. Là, je vais vous faire un petit modèle que vous pouvez aussi également rajouter un peu de tissu à l'intérieur pour faire un petit sac d'été. Vous pouvez le faire aussi pas très large mais un peu long pour faire un sac à pain quand vous allez chercher votre pain. Ou alors un sac que vous pouvez faire plus large, un peu plus petit que le sac à pain et que vous pouvez également aussi comment dire, décliner en sac de provisions pour lui faire les courses. Donc je prends pour faire ce sac là, je prends du coton. C'est du coton assez épais. Je ne pourrais pas vous dire la taille du coton parce qu'il est vraiment épais. Je ne l'ai pas eu en France. Donc ça, je ne peux pas vous dire. Ça, c'est un fil vraiment qui est très, 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 très solide. Je n'ai plus l'étiquette malheureusement. Donc je ne peux pas vous dire du combien c'est. Et la marque. Donc je m'en excuse. Et je vais utiliser un crochet numéro 7. Donc, pour commencer, nous allons faire une chaînette. Une chaînette. 1, 2, 30 mailles, pardon, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25. Même 25 parce que après ça va faire un peu large vu que la laine est épaisse, enfin le fil est épais. Donc 25 mailles. Et sur ces 25 mailles, je vais piquer dans la deuxième maille chaînette et je vais faire que des mailles serrées. Donc je vais faire ça pendant à peu près 6 rangs. Je vais faire que des brides, des mailles serrées, pardon, sur toutes ces mailles. Après, moi je fais 6 rangs parce que j'aime bien quand c'est un peu épais, que la lanière aussi, enfin le contour et enfin, que tout soit bien épais. Même 4 rangs parce que ça fait un peu épais avec le câble, enfin le fil, pardon. Donc je vais faire 4 rangs. Alors j'ai terminé mes 4 rangs. Cela vous donne ça. Pour l'instant, c'est pas compliqué. De toute façon, c'est un sac pas compliqué. Maintenant, nous allons faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3. 4 et 5. Vous allez tourner votre travail et vous n'allez pas dans la première ni dans la deuxième, mais dans la, enfin pas là où on a fait la chaînette, ni la deuxième, mais la troisième. Et vous faites une maille serrée. Vous faites 1, 2, 3, 4 et 5. Vous sautez et vous faites, pardon, une maille serrée. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Attendez, je recommence. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je saute une maille, je vais dans l'autre, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. J'en saute une, je vais dans la deuxième. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je saute une maille, je vais dans la deuxième. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je saute une maille, je vais dans la deuxième. 4, 5. Hop, j'en saute une, je vais dans la deuxième. Ça, c'est pour le sac petit modèle. Hein. Ou alors pour aussi pour le sac à baguettes, ou en le faisant beaucoup plus long. Et pour le sac, si vous voulez faire un sac de course beaucoup plus large, dans ces cas-là, vous ne sautez pas de maille. Vous faites 5 brides, et vous allez directement dans la suivante. 5 brides directement dans la suivante. Ça va vous faire plein de petits arceaux.
Donc ça vous fera du coup un sac beaucoup plus large. 1, 2, 3, 4, 5, je saute une bride, une maille, pardon, je vais dans la suivante. 1, 2, 3, 4, 5, je saute une maille, je vais dans la suivante. Il faut que ce soit un nombre impair, hein, si vous voulez faire vraiment une chaînette beaucoup plus longue au début. Hein. Il faut que ce soit un nombre impair. 1, 2, 3, 4, 5, je saute une, je vais dans la deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, j'en saute une, je vais dans la deuxième. Voilà. Je fais donc encore 5 brides, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je tourne mon travail et en fait, ce que vous allez répéter à chaque fois, c'est 5 mailles en l'air et vous allez piquer dans la maille, dans l'arceau d'avant, pour faire le côté filé. 1, 2, 3, 4, 5 et vous piquez dans la suivante. Vous voyez? Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et vous piquez dans le trou suivant. Une, deux, trois, quatre et cinq. Et en fait, voilà, je vais finir le rang avec vous et après vous allez faire ça. Je vais vous dire les dimensions. 3, 4, 5. Une, deux, trois, quatre, cinq. Après, si vous faites le mode, comme je disais au début, ce petit sac comme là d'été. Ce qui est bien aussi, c'est de rajouter du tissu à l'intérieur pour ne pas perdre les objets que vous voulez et puis faire un côté sympa. Hop, on arrive à la fin du rang. 3, 4 et 5. Donc là, je vais. Quand vous allez faire un. Vous arrivez à la fin du rang, moi ce que je fais pour bien sécuriser, je fais une, deux. Dans la troisième, je pique dans la troisième maille en l'air du rang précédent et je fais une maille serrée. Voilà, quand on commence, c'est pas gênant, mais quand on arrive à la fin, je trouve que c'est bien de le faire. Voilà, donc je recommence le début et après je vous laisserai faire et je vais vous dire les dimensions. 5. Je repique dans l'anneau là. Mais c'est vraiment un sac vraiment pas compliqué. C'est assez répétitif. De toute façon, c'est tout le temps assez répétitif. Hein. Et 5. Voilà, donc ça vous donne ça pour l'instant. Vous voyez, ça commence déjà à faire un peu évasé. Voilà, donc moi, je vais vous dire à peu près, c'est vraiment au pifomètre. Pour un sac comme pour le pain, prenez la dimension du pain, c'est plus simple. Comme il va être plié après, je pense que je vais partir sur un 50 cm, donc ça ferait 25 cm de chaque côté. 50 ou 60 cm en tout. De là jusqu'à
Non, pardon. De là, pardon, du début du mail filet au bout du mail filet, en fait. Il faudrait que ça fasse 50 cm en tout. Voilà. Je vous laisse continuer. Alors, une fois que vous avez atteint la longueur obtenue, hop, moi j'ai fait un plus petit modèle pour pouvoir vous montrer le principe. Après, vous allez voir ça va tout seul. Donc, on va refaire ceci. Donc, vous allez faire une maille serrée dans la maille serrée de fin du rang d'avant, une maille serrée dans l'espace, une maille serrée dans l'espace là, une serrée là. En fait, à chaque fois que vous avez un espace ou une maille serrée, vous faites une maille serrée. Une maille serrée. On arrive bientôt à la fin du rang. Voilà. Donc vous vous retrouvez avec ceci. Vous allez faire une maille en l'air. Donc là, ça compte comme un rang de maille serrée. Là, on en avait fait 4. Donc là, vous allez refaire 3 rangs de mailles serrées. Alors, une fois les 4 rangs terminés, comme ceci, vous allez faire une autre maille dans la dernière maille. Donc, dans la dernière maille serrée, vous avez 2 mailles. Après, vous allez refaire une maille là. Et là, tout le tour, on va faire en fait tout le tour une maille serrée. Mais avant d'arriver, en fait, on va aller jusqu'au bout, on va faire une maille serrée et après, on va faire un certain nombre de mailles chaînettes selon la longueur que vous souhaitez pour votre sac. Donc là, je fais mes mailles serrées. Une dans le trou. En fait, à chaque fois, vous allez prendre, voilà, chaque espace que vous avez là sur tout le côté, vous allez faire une maille serrée dedans, pas les autres, que celle-ci. Vous voyez, ça commence déjà à faire un petit côté. Alors, faites tout jusqu'à la fin du rang. Avec ce coton là, vous allez pouvoir en mettre des courses dedans parce que franchement, moi j'en ai un et il tient beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dedans et il n'a jamais craqué. Après, comme je vous disais au début de la vidéo, vous avez tout incliné, toute clinaison hein. Comme là, il est tout petit donc. En mettant du tissu à l'intérieur pour faire un petit sac d'été. En le faisant, par exemple, à peu près de cette dimension-là, mais en beaucoup plus long, vous pouvez mettre votre pain dedans quand vous sortez de la boulangerie. Ou alors beaucoup plus large et puis vous mettez vos courses dedans, quoi. C'est à vous de voir de la dimension que vous souhaitez. Donc là, je suis arrivée au bout d'avant. Donc là, je vais refaire, donc, comme j'ai 4 rangs, normalement, je devrais avoir faire 4 mailles serrées. Donc, une, 2, 3 et 4. Voilà. Donc là, nous allons faire l'anse du sac. Donc moi, je fais vraiment au pif. Je vais essayer 50 mailles, voir ce que ça donne. Même 30 mailles, je sais pas, je vais voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 13, 14. J'y vais vraiment au feeling. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Bon, 30, ça fait un peu court. Je vais en faire, on va voir pour 40, et puis sinon on fera 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 37, 38, 39 et 40. Bon, effectivement, 40, c'est un peu mieux pour un tout petit sac. Donc, une fois que vous avez fait la dimension de la lanière que vous souhaitez, maintenant, vous allez vous raccrocher. Alors, vous essayez de mettre correctement l'anse pour pas que ça tourne. Et vous revenez piquer. Voilà, on va refaire 5 mailles serrées. 1, 2, mince, j'ai pas pris la bonne. Bon, je vais essayer de prendre en même temps le fil du début pour pouvoir couper par la suite. 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc là le petit fil qui dépasse, je peux le découper. J'en ai pas besoin. C'est le fil du début. Voilà. Ensuite, je vais refaire comme pour le rang de l'autre côté. Je vais faire une maille serrée dans chaque triangle que vous voyez là, comme j'ai fait de l'autre côté. Et on est reparti. Et ça commence déjà à prendre un peu forme. J'espère que je vous explique bien. Vous comprenez le principe. Et là, donc du coup, j'ai 4 rangs de mailles serrées. Je refais 4 mailles serrées. Voilà. Donc là, nous allons reproduire la deuxième lanière. Donc, il faut faire, j'avais fait 40 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. Voilà, donc la deuxième anse est faite. Donc nous allons la remettre, la rattacher à ici. Donc là, je refais une maille serrée. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait la maille serrée, maintenant, dans tout le tour, nous allons faire une maille serrée. Donc là, on va aller jusqu'au rang ensemble. Et on va faire une maille serrée sur tout le côté.
Après, moi, je ne l'ai pas fait très profond, le sac, hein, mais vous pouvez faire exactement comme vous avez envie. Là, je vous montre le principe, mais après, c'est à vous de voir. Vous voyez. On arrive bientôt à la lanière. Après, vous allez voir, de toute façon, c'est vraiment méga simple. Ça, c'est bon. J'ai oublié de regarder si je l'avais bien mis. Je ne me souvenais plus si c'était bon ou pas. Voilà, donc là nous arrivons au bout du rang, avant la lanière. Voilà, donc maintenant, pour coudre, pour, pardon, tricoter la lanière, enfin crocheter la lanière, vous allez prendre le brin, donc là vous avez, ça vous fait comme une tresse, et bien sous la maille, en l'air, sous la maille, les mailles en l'air, vous avez, ça vous fait une bosse. Et bien vous prenez cette bosse et vous passez votre crochet. Voilà. Ça fait vraiment une définition plus propre. Ça vous revient à faire encore, ça vous refait une tresse en fait en dessous. Ça fait beaucoup plus joli. Bon, c'est un peu long à faire, mais le résultat est quand même beaucoup mieux. Vous voyez le principe. Donc là, je vais vous laisser faire la même chose. Jusqu'à la fin. Et en fait, vous allez faire 4 rangs. Vous allez faire 4 fois le tour. Enfin, moi, je vais faire 4 fois le tour en fonction de l'épaisseur que je veux. Vous, après, c'est en fonction de vous, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Vous voyez, ça commence à prendre un peu forme. Enfin, ça, on voit que ça fait une boule. Avec la lanière. Moi, c'est petit, hein, mais après, vous voyez, c'est assez profond quand même. Hein, vous. En tirant dessus, on voit que voilà, vous pouvez y aller quoi. Donc je fais les 4 rangs et puis après je vous retrouve. Alors, une fois que vous avez terminé vos 4 rangs, voilà ce que vous obtenez. Donc, on n'a plus qu'à couper le fil. Vous serrez bien pour bien fixer. Après, avec une aiguille à laine, vous allez rentrer le petit fil, tout simplement. Hop. Voilà, vous cachez le petit fil. Et voilà ce que vous obtenez. Un petit sac sympa. Voilà, vous mettez ce que vous voulez dedans. La taille, vous faites comme vous le sentez. Moi, personnellement, regardez, je mets le biberon de ma fille dedans. Je peux mettre, je sais pas, moi, ma trousse. Bon, évidemment, le poids n'est pas énorme. Voilà, vous pouvez mettre pas mal de choses quand même. Après, voilà, tout dépend la taille que vous avez fait votre sac. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.